Voici 5 énigmes que seuls les génies peuvent résoudre. Mais juste avant que la vidéo ne commence, clique sur le bouton j'aime s'il te plaît. On vise les 2000 likes avant minuit. Ça fait 2 vidéos de suite qu'on atteint l'objectif, donc je sais que vous pouvez le faire encore une fois de plus, et ça me ferait super plaisir. Merci par avance et bonne vidéo. Numéro 5. Je cours dans les rues toute la journée. Sous le lit ou près de la porte, je suis assise dans la nuit, jamais seule. Qui suis-je? Allez, comme d'habitude, je vous laisse 15 secondes. Réponse, une chaussure, tout simplement. Je cours dans les rues toute la journée, et bien les chaussures, quand elles sont à nos pieds, elles nous accompagnent toute la journée dans les rues par exemple. Sous le lit ou près de la porte, je suis assise dans la nuit jamais seule, parce qu'une chaussure, et bien n'est jamais seule, on en a deux. Et quand on les enlève le soir en arrivant à la maison, on les laisse souvent à la porte d'entrée ou bien dans sa chambre près du lit. Numéro 4, allez, une énigme visuelle. Trouver le téléphone caché sur cette photo, c'est assez difficile. Donc mettez-moi la vidéo en pause quand vous l'avez trouvée et écrivez « vu » ou « j'ai trouvé » dans les commentaires. Réponse, je vous l'entoure. C'était assez difficile. Moi personnellement, je ne l'avais pas trouvé. C'était compliqué parce qu'en fait la coque du téléphone se fondait très très bien avec le motif du tapis. Numéro 3. Je ne parle pas, mais je peux vous apprendre tout ce que vous devez savoir. Une fois que je vous ai tout dit, je ne peux vous en dire plus. Que suis-je? Réponse, c'était tout bête, il s'agissait d'un livre. Un livre ne parle pas, il peut nous apprendre beaucoup de choses, même tout ce dont on a besoin de savoir. Et une fois qu'on l'a lu, il peut nous en dire plus parce que y a un certain nombre de pages. Il y a par exemple 200 pages et après avoir terminé les 200 pages, il peut pas nous apprendre grand chose de plus. Numéro 2. Je ne peux pas aller à gauche, je ne peux pas aller à droite. Je suis toujours coincé dans un bâtiment qui a plus de 3 étages. Que suis-je? Réponse, un ascenseur. C'était pas très compliqué. Et enfin, numéro 1, allez, une énigme visuelle. Et je l'adore parce qu'elle porte énormément à confusion. Personne n'est d'accord. Dites-moi quel personnage a tort. Le monsieur à gauche affirme qu'il y a 4 poutres, et la dame à droite affirme qu'il y a 3 poutres. Eh bien, je vous laisse 15 secondes, n'hésitez pas à mettre en pause, prenez votre temps, mais surtout dites-moi en commentaire votre réponse. Réponse, eh bien je ne vais pas vous la donner, je likerai les bonnes réponses comme d'habitude dans les commentaires, je mettrai un j'adore sur votre commentaire, donc c'est très important, donnez-moi votre réponse, et après si vous souhaitez vraiment savoir la bonne réponse, vous avez juste à regarder les commentaires que j'ai adorés, et vous aurez la réponse. Et notez-moi votre réponse en commentaire, c'est très très important.